Alors bonsoir, bonsoir, je suis en retard, mon ordinateur a bugué. Alors me voici avec vous live mercredi soir, 20h06. 20h06, fermer un ordi, rallumer un ordi, revenir vers vous. Alors j'attends de voir si vous êtes avec moi. Faites-moi un petit coucou, faites-moi signe quand vous vous connectez. Alors je suis là au rendez-vous. Le thème n'est pas écrit sur le live. Je n'ai pas eu le temps de l'écrire parce que j'ai dû rééteindre et me rallumer. Donc, je vais faire mes petits coucou, mes petits bonsoirs. Allô tout le monde. Bon, là, ça se connecte rapidement. Allô. Bon, Nina est là, Ivan est là. Je vais voir Jojo est là, José Domers, Andréane, Nicole, France. Allô, allô. Allô, les belles femmes. Marie-Claude Demers est là. Coucou. Alors, vous vous connectez. Bienvenue, bienvenue. Nous allons faire un pas en profondeur ce soir dans nos thèmes de la nouvelle année 2019. Vous allez voir un peu encore plus la magie de la kiné, comment on peut prendre un thème et foum, aller à l'étage en dessous pour voir dans notre iceberg qu'est-ce qui est là, qui se cache. Donc, vous arrivez rapidement. Bonsoir, Ginetto, Julie, Louise. Alors, je fais mes petits coucous. Si c'est la première fois que vous êtes avec moi, ben, ça va durer 3 minutes, 4 minutes. Alors, ça, c'est important pour moi de dire bonjour aux gens qui arrivent. Donc, Émilie, Nancy, Manon, Stéphanie, allô, allô. Suzanne, Doris, Solange, Josué, ça y va, Sophie, Nadine, Marie-Josée, Tatiana, coucou ma belle Tatiana, Jennifer, Lise et là, Joanne Laflamme. Alors, bonsoir, bonsoir. Je n'ai pas pu mettre les liens que je mets d'habitude dans le haut de mon live. Je le ferai à la fin. Alors, je viens. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Je viens d'éteindre mon ordi, de rallumer mon ordi. Je ne sais pas pourquoi. Si ça ne marchait pas du tout, du tout. Alors, je me dis, c'est la vie, c'est la vie. Alors, bon, alors vous continuez. Micheline, Nancy, Chantal, la Claudine, la fidèle Claudine de l'île de la Réunion, Annie-Claude. Bonsoir, Annie-Claude. Ma mère, maman de la Florida. Coucou. Evelyne, Mireille, Pierre. Salut, Pierre. Alors, bienvenue, bienvenue. Nous allons aller jouer dans nos thèmes de la semaine dernière. Déjà, mon Dieu, moi, je vous dis la semaine dernière et dans mon ressenti, ça fait tellement longtemps. Il y a quelque chose vraiment dans mon lien au temps qui est assez spectaculaire. Alors, coucou Valérie, Diane, ben, ma belle Isabelle, tout. Peut-être que toi, tu as eu de la misère, mais moi, je suis 6 minutes en retard ce soir. Donc, peut-être que tu me cherchais et que je n'étais point là. Hey, ma belle Pierrette! Coucou, Pierrette, que ça fait longtemps. Julie, Denise, bon, ben écoutez, ça y va au toast. Vous vous connectez. Bienvenue, bienvenue dans ce deuxième live de l'année 2019. Je viens ce soir vous poser quand même la même question que je vous pose toujours. Comment allez-vous? Est-ce que l'énergie est bonne? Est-ce que le sommeil est bon? Comment vont vos émotions? Comment ça se passe pour vous? Dans ma vie, présentement, j'ai une grande accalmie, moi. Il y a quelque chose de vraiment calme et tranquille et déposé et aligné qui s'est installé, je dirais, depuis près de peut-être 2 semaines avec une amplification dans la dernière semaine. Alors, venez me dire pour vous si ça vous parle. Sentez-vous qu'il y a quelque chose dans l'énergie qui s'est allégé, qui s'est comme, je dirais, comme calmé aussi. Hein, comme si c'était calme, comme ça, et léger, comme ça. Alors, venez me dire si ça vous parle. Marie-Josée me dit oui, légèreté. Myriam, bonne humeur, mais dure à reprendre. Oui, hein, oui, le retour après les vacances de Noël, c'est quelque chose. Josée me dit plus d'énergie et zen. Hélène me dit mauvais sommeil, beaucoup de rêves. Ouais, présentement, je vous dirais que ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu.
beaucoup de rêves qui viennent permettre toujours, et ça c'est important de s'en souvenir, de faire des mises à jour de notre disque dur, c'est-à-dire de notre inconscient. Nos rêves sont des grands et des puissants libérateurs et aussi parfois de grands messagers. Alors là, s'il y en a d'autres qui rêvent, venez me dire. Patricia me dit beaucoup d'insomnie. Écoute, ma belle Patricia, je sais pas si tu as attrapé l'espèce de prière, intention, invocation que j'ai reçue dans la nuit du 31 au 1er, mais les gens qui la font régulièrement, puis là je vous parle à tout le monde, les gens qui font cette invocation depuis que je l'ai transmise dans le live de la semaine dernière, me disent que elles dorment beaucoup mieux, qu'elles sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus centrées, beaucoup plus connectées. Je vous ai dit que les lignes de temps étaient ouvertes. Et quand les lignes de temps sont ouvertes, ben c'est intéressant d'en bénéficier, d'en profiter. Et l'invocation, la prière que j'ai partagée la semaine dernière aide ça, aide à ramener le meilleur de nous qui est dans tous ces temps qui sont maintenant ouverts. Donc, à suivre. Lise me dit « Remplie d'espoir en l'avenir, à l'écoute des messages, bravo. Manon va bien, Andréane dort bien, plus calme, dit Lily aussi. » Ouais, bon, ben ma belle Diane, hein, y a quelque chose qui se trame présentement dans le rhume, et oui, y en a beaucoup. Marilyn me dit « Beaucoup d'anxiété, énormément de nausées. » Bon, ben Marilyn, mets en pratique, si tu veux, la belle intention que j'ai placée la semaine dernière. Bon, alors je défile là, parce que là, vous êtes énormément, ça va bien, les deux derniers jours fatigués, mais aujourd'hui en pleine forme, me dit Stéphanie. Les gens autour de manque de sommeil, ben, de soleil, je peux bien croire. Vitamine D, vitamine D, vitamine D, c'est essentiel au Québec présentement, en tout cas. Suzy, l'impression de que le passé n'a plus d'emprise. Hey Suzy, je suis d'accord avec toi. C'est ça que je sens, moi aussi. Et merci de le nommer comme ça. Comme si le passé s'était évaporé. Tripatif. Parce qu'on regarde nos acquis, mais on est moins happé par ce qui pourrait nous nuire. On va le dire comme ça. Nina me dit oui qu'elle rêve aussi énormément. Donc, beaucoup de rêves, me dit Nancy. Sommeil léger. Bon, alors des rêves aussi, me dit Sylvie. Moi aussi des rêves, mais les dodos sont wow, me dit Manon. Écoutez, je vous êtes en feu. je n'arrive pas à vous lire assez vite. J'ai 50 messages à lire présentement, alors je suis un petit peu en retard. Donc, je vais vous lire rapidement en diagonale, en y allant comme ça. Oui, j'avais écrit que je vais me mettre à lire la prière de l'intention. Oui, Sophie, je t'invite à le faire. Je l'ai manqué la semaine dernière. Oui, c'est ça, Louis, tu pourras le réécouter après. Oui, me dit Annie-Claude, des rêves au taux vibratoire élevé. Quand les portes du temps sont ouvertes, les rêves et les nuits sont très, 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 très riches en potentiel de rapatrier toutes nos forces, nos alignements, nos connexions à qui on est profondément. Donc, je vous invite vraiment à faire cette intention, prière. Le blog va sortir et je partage dans le blog qui va sortir probablement la semaine prochaine. Et dans le blog, j'ai décidé d'appeler ça une invocation. Je trouve qu'une invocation, c'est plus puissant. Et c'est moins teinté, si vous voulez, de religion qu'une prière. Hein? Une prière, quand ça n'a pas de connotation limitante pour vous, ben, vous dites une prière. Moi, j'ai pas du tout d'attachement au mot. Mais je trouvais qu'invocation, c'était le fun. Alors, une invocation. Hein? Alors, vous invoquez, vous appelez la descente en vous, la reconnexion de toutes les facettes de votre être. Et ça, ben, c'est extrêmement tripatif. Extrêmement. Bon, hey, à Caroline qui me dit qu'elle a rêvé qu'elle serait au Cambodge. Bon, ben, écoutez, même des rêves prémonitoires. C'est le fun, hein? Alors, on sent, en tout cas beaucoup pour plusieurs, vous sentez
le calme. Vous sentez comme quelque chose qui s'apaise, le passé qui est moins lourd. Vous pouvez travailler votre invocation. Je vois qu'Émilie me dit « douleur à la poitrine ». Écoute, Émilie, je ne le sais pas pour toi, mais pour moi, très souvent, quand j'ai des douleurs à la poitrine, c'est que mon essence est hors de mon corps. Je ne m'habite pas. Et vous savez que l'âme s'attache ici. Le cordon d'argent, on appelle ça le cordon d'argent de l'âme. Je vais juste baisser mon truc, là. S'attache ici. Hein? Si vous avez fait la formation âme avec moi, je vous l'explique. Donc, l'âme s'attache ici. Hein? C'est très intéressant hein? Parce que ici, là, ben, c'est le cœur qui vient s'ancrer sur le diaphragme. Le diaphragme, c'est comme une coupole. Le cœur est assis sur le diaphragme et il est entouré du péricarde. Et le péricarde, ben, c'est l'enveloppe du cœur et c'est le protecteur du cœur. Et parfois, quand l'essence, quand l'âme n'habite pas le corps, ça tire. Ça tire comme ça par en haut et on peut calmer toute douleur dans la poitrine en faisant l'intention que notre essence habite chaque parcelle, chaque pli, chaque repli de notre vide interstitiel, c'est-à-dire le vide qui est partout à l'intérieur de nous, parce que si on prenait notre grand corps et qu'on le tapotait jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de vide du tout, on serait gros comme une balle comme ça. Alors, partout, il y a du vide. C'est là que l'essence vient s'installer. Alors, des fois, quand il y a des douleurs à la poitrine, c'est que le cordon monte, puis on se sent comme ça, parce que l'essence est en haut. Alors, souvent, l'essence est en haut. L'âme peut être en haut, au-dessus du corps, quand on résiste à notre incarnation, quand on résiste à être sur Terre, dans le monde de la dualité, quand on voudrait être ailleurs, quand on trouve que c'est trop dur, et quand on commence à jouer dans le ici-maintenant pour vrai, quand on commence à comprendre les règles du jeu, et c'est ça que je travaille avec vous hein, depuis 2 ans, là, c'est ça qu'on explore ensemble, les règles du jeu. Hein? On joue à un jeu, on n'avait pas les règles. Alors là, nous, on apprend les règles ensemble. Et quand on connaît les règles du jeu, c'est beaucoup plus facile d'accepter notre incarnation. Alors là, ça, c'est à vous de voir si ça vous parle. Alors, il y a France Lajoie qui a recopié la prière, il y a Nancy Jacques qui a recopié la prière, l'invocation, Marie-Josée Picotte. Écoutez, merci les filles de collaborer et de co-créer avec moi afin que tout le monde puisse avoir cette information-là. Alors, voilà. J'ai eu des gens qui m'ont écrit en privé dans la dernière semaine me disant « J'ai manqué ta prière du jour de l'an. J'ai manqué ton pause du 1er janvier. » Alors, vous avez un truc pour ça. Si vous ne voulez pas manquer quand j'arrive, hein, parce que des fois j'arrive comme ça. Alors, si vous ne voulez pas manquer, vous pouvez vous abonner à ma page, pas juste la liker. Vous pouvez demander qu'elle vous soit présentée en premier. S'il y a des gens qui peuvent l'écrire en dessous, comment ça marche, je voulais le faire tantôt, mais mon ordi buguait tellement que j'ai pas pu aller explorer ce que je voulais explorer pour vous donner la clé de comment vous abonner à mes lives ou à ma page. Parce que juste cliquer « j'aime », ça veut pas dire que vous allez la voir. Vous pouvez choisir de la voir en premier. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais publier quelque chose, vous allez le voir, c'est sûr. Ça ne sera pas perdu dans votre fil de nouvelles. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant si vous voulez rien manquer. Alors, voilà, ça, c'est ça qui est ça. La semaine dernière, je vous ai promis que bientôt, va arriver mon nouveau programme gratuit sur 12 semaines. Hein? Et que ce programme gratuit-là, vous allez le recevoir dans vos courriels. Il va falloir que vous vous abonniez. Inscrivez. Et vous allez le recevoir dans vos courriels et ça va être une vidéo de moi. Alors, les 21 jours pour s'élever ensemble, c'était des photos et des textes. Là, le programme qui s'en vient, je vous dis pas le nom, pas tout de suite. Ça va être des vidéos que vous allez recevoir une fois par semaine pour 12 semaines. Alors, ça en vient. Je veux juste vous dire qu'il s'en vient. Alors, on travaille fort là-dessus. Mon équipe est vraiment en train de faire en sorte que ça parte le plus rapidement possible. Donc, la semaine prochaine, l'autre d'après ou plus tard,
On s'en vient. On s'en vient. Et à ce moment-là, la page du 21 jours pour s'élever ensemble va changer de nom. Ça va s'appeler juste s'élever ensemble. Et on va pouvoir venir sur cette page-là, co-créer ensemble avec ce nouveau programme-là. Pascal dit, en haut à droite de la fenêtre du chat, on peut choisir de voir en premier. Merci Pascal. C'est exactement ça que je voulais dire. C'est mieux dit. La vie me dit, promenez votre curseur sur la vidéo. Il y a cliqué pour en savoir plus. Bon, merci, merci. Alors, merci à les hommes qui co-créent avec nous. Merci. Vous êtes pas nombreux, mais vous êtes extrêmement appréciés parce que dans la polarité, c'est très important. Alors, les belles femmes qui m'écoutaient, invitez vos chums, invitez vos maris, invitez vos amis, parce qu'on a besoin que les hommes viennent contribuer à ce mouvement-là d'élévation. Ils sont très importants. Vous êtes super importants, les gars. Vous portez cette polarité de matérialisation dans le yang qu'on a besoin, nous autres, les belles femmes remplies de yin. Alors, même si on arrive vraiment à une époque de la déesse, d'incarner la déesse sur Terre, ben la polarité masculine est essentielle. Donc, merci, merci, merci d'être là. Alors, ce que je vous propose ce soir, c'est d'aller jouer pour aller encore plus en profondeur grâce à la kiné dans les thèmes qu'on a testé tous ensemble, ben c'est moi qui l'ai testé, mais je vous représentais la semaine dernière, qui était peur d'avoir peur, nos thèmes de l'année 2019, dégager, libérer, peur d'avoir peur, et est-ce que j'ai les mains rouges de betterave? Ça se peut, c'est des choses qui arrivent, j'ai pelé beaucoup de betterave aujourd'hui. Donc, peur d'avoir peur, on le dégage, et installer la confiance en soi, le regard en soi qui est juste et bon. Alors, c'était nos deux thèmes de l'année. Vous allez voir comment on le fait en kiné. En kiné, on va toujours demander, très bien, peur d'avoir peur. Je suis d'accord, peur d'avoir peur, OK. Mais, et comment on fait pour dégager peur d'avoir peur? Parce que c'est bien beau de savoir qu'on a besoin de dégager peur d'avoir peur. Mais Caline, qu'on aimerait ça savoir comment? Aimeriez-vous savoir comment? Ah, c'est ça qu'on va faire. On va les faire un à la fois. Peut-être que ce soir, on va juste s'occuper de peur d'avoir peur. C'est pas grave, parce que la semaine prochaine, on s'occupera de l'autre. Par contre, je vais tout de suite vous le dire en début de live. La semaine prochaine, je serai dans un bois, en quelque part. Je m'en vais en retraite une semaine par mois pour les 5 prochains mois. Je m'en vais me mettre à l'écriture de mon livre. Il est pas mal, il est placé. Il faut juste que je plonge dedans puis que je le finisse et que je le peaufine et qu'il puisse sortir. Et là, vous allez pouvoir l'avoir entre les mains. Vous allez pouvoir avoir entre vos mains à tout moment les grands enseignements clés que je vous ai proposés depuis 2 ans. Ça va être extrêmement tripatif. Alors, c'est ça. Alors, une semaine par mois, pour les 5 prochains mois, je vais être dans le bois. Dans le bois où je m'en vais, présentement, il n'y a pas de réseau. C'est ça l'avantage et le désavantage du bois. Donc, je vais essayer de trouver une façon de me mettre en lien avec vous mercredi soir prochain, quand même, parce que je veux vraiment honorer notre rendez-vous. Alors, laissez-moi penser à quelque chose. J'ai demandé à si je pouvais avoir de l'Internet. Si l'Internet est là, peut-être qu'elle va être pout-pout, je ne le sais pas. Sinon, peut-être que j'irai vous faire un live dans mon auto en dessous d'un lapadaire sur le Wi-Fi. Je ne sais pas comment je vais faire ça, mais je vais voir comment... je vais installer tout ça, mais pour moi, c'était très important, c'était dans mes alignements de 2019, que le livre soit publié. Alors, voilà, c'est alors une semaine par mois. Alors, je vais faire mon gros possible pour être là avec vous autres quand même. Alors, nous allons explorer ce soir peur d'avoir peur. La façon dont je le fais en kiné, c'est que je demande toujours à l'inconscient de la personne qui est devant moi, et c'est ça que j'enseigne à mes étudiants aussi. Comment on fait pour dégager peur d'avoir peur? Vous allez voir, on va aller comme dans un entonnoir. Peur d'avoir peur est notre thème du déçu qu'on a trouvé la semaine dernière. Mais peur d'avoir peur est la conséquence de quelque chose.
On va aller voir c'est la conséquence de quoi. Donc, on va demander comment on dégage peur d'avoir peur. Puis là, on va avoir une donnée. Et puis là, on va demander, peut-être, comment on dégage cette donnée-là. Et là, on va aller encore un peu plus creux. Et c'est ça qu'on va faire ce soir. Je ne sais pas jusqu'où on va aller. Là, je vous éloigne de moi pour être capable d'approcher mon cartable de kiné de moi, pour être capable de venir vous aller voir qu'est-ce qu'il y a en dessous de peur d'avoir peur. Alors, je vais faire l'intention d'avoir la donnée de dégagement la plus puissante pour le plus grand nombre. Alors, dans toutes les gens qui sont présentement ici, tous les gens qui vont écouter ce live-là dans les prochaines semaines sont inclus automatiquement dans le test que je fais maintenant. Alors, on y va. Notre thème de l'année 2019 de grand dégagement était peur d'avoir peur. Je vais demander maintenant d'avoir la donnée la plus puissante, la plus précise, la plus bang, hein, laser, qui va permettre au plus grand nombre, alors la donnée dominateur commun du plus grand nombre, pour être capable de voir comment on dégage peur d'avoir peur. Alors, on y va. Un, deux, trois. On s'en va dans l'émotion. Alors, on va dégager peur d'avoir peur dans quelque chose qui a rapport avec une émotion. Alors, on y va, oui. Trois. Ça, là. Faire ça à un grand groupe comme ça, là, c'est what a défi. Ah, des fois, je parle en anglais un petit peu. What a défi, je viens quand même de l'Outaouais. Imaginez-vous, puis là, je vais devoir vous expliquer quelque chose. Mes étudiantes ou les gens qui m'écoutent présentement et qui ont déjà étudié avec moi, vous allez savoir de quoi je parle. Les autres, je vais vous l'expliquer. Pour être capable de dégager peur d'avoir peur, il faut défaire un croisement. What's a croisement? Alors, je vais vous expliquer c'est quoi un croisement. Alors, ça m'amène aussi à vous parler de quelque chose que je voulais vous parler ce soir, qui était tout le domaine de l'invisible et des énergies, parce que c'est le thème de mon prochain S'élever ensemble le 9 février, et c'est essentiel. Alors, qu'on passe par là ce soir, mais ça me permet de faire d'une paire deux coups. Alors, un croisement, c'est que vous autres, ici, OK, chacun chez vous, vous portez à plus ou moins grande implication peur d'avoir peur. C'est un dénominateur commun, c'est un thème commun à tout le monde qui sont là. Donc, vous le portez pas tous à la même force, mais c'est pas grave. Pour défaire peur d'avoir peur chez tout le monde, il faut qu'on défasse un croisement. Un croisement, c'est un lien énergétique. C'est-à-dire qu'on est attaché énergétiquement à quelque chose. Et parce qu'on est attaché énergétiquement à cette chose-là, ben on y prie. Je vais vous donner un exemple d'un croisement facile, juste pour vous donner un exemple. Dans un couple, il y a souvent des croisements au niveau énergétique. Parce qu'on passe nos journées ensemble souvent, on dort ensemble, on fait l'amour ensemble, il y a beaucoup d'intimité. Et les champs d'énergie qui nous entourent, parce qu'on est entouré de champs d'énergie. Alors, allez, au bout de mes doigts ici, là, mon septième corps, sixième corps, cinquième corps, quatrième corps, troisième corps, deuxième corps, premier corps. Sept corps principaux, il y en a plein d'autres, mais les sept principaux, ben c'est de l'énergie, mais qui nous appartient. Mais quand on est vraiment lié à quelqu'un, ben lui aussi a ses sept corps d'énergie. Et quand on est proche, ben des fois ces corps-là se mélangent. Et c'est ce que j'appelle un croisement. Donc ce que j'explique à mes étudiants toujours, c'est toi t'es là, l'autre est là. Un croisement, c'est comme vous êtes comme ça. Ce qui est à moi, je ne le sais plus trop parce que je suis un peu mélangée avec l'autre. Qu'est-ce qui est à moi? Qu'est-ce qui est à lui? Et vous savez, on le voit très souvent chez les couples. Ils finissent par se ressembler. Ils font les mêmes visages. Des fois, ils s'habillent pareil. Ils font les mêmes farces. Ils réagissent de la même façon. Et souvent, ça veut dire qu'on est croisé. Voyez-vous? Alors, quand on est croisé, ben, on est pris avec les affaires de l'autre. Il y a quelque chose avec lesquels vous êtes croisés et qui fait que peur d'avoir peur reste activée. Alors, je vais vous nommer les exemples de avec quoi on peut être croisé. On peut être croisé avec un individu.
Check ça. Quelqu'un. On peut être croisé avec quelqu'un. On peut être en croisement avec un événement de notre vie. C'est-à-dire que l'événement a passé, il est arrêté, il est fini, mais on reste lié à lui énergétiquement comme si on ne peut pas s'en défaire. Ça, c'est une autre façon d'être croisé. On peut être croisé avec quelque chose qu'on appelle un égrégore, ou on peut être croisé avec des formes pensées. Un égrégore, c'est la somme de l'énergie pareille de quelque chose. Alors, tout le monde, genre, qui ont peur d'avoir peur, ont co-créé ensemble par leur peur d'avoir peur, l'égrégore de la peur d'avoir peur. Et un égrégore, c'est comme l'image que je pourrais vous donner, c'est comme un nuage énergétique qui vit. Il a vraiment une vie par lui-même. Et il se nourrit des émotions des gens qui sont reliés à son thème. Donc, un égrégore de peur se nourrit de la peur. Un égrégore de trahison se nourrit de trahison. Un égrégore de joie se nourrit de la joie. Un égrégore de paix se nourrit de la paix. Hein? Alors, il y a des égrégores de tout ce qui existe. Plus les gens sont nombreux à avoir une charge émotionnelle, plus l'égrégore est gros. Voyez-vous? Moi, je dirais que sur Terre, présentement, des peurs d'avoir peur, il y en a beaucoup. On nous a instillé ça, beaucoup, beaucoup. Vous êtes conscient que je ne peux pas lire tous vos commentaires parce que là, je suis vraiment focussée dans qu'est-ce que je veux vous enseigner. Donc, si jamais vous avez posé une question qui, pour vous, est incontournable, venez la reposer si j'ai pas commenté parce que je ne peux pas vous lire en même temps que j'explique ça. Donc, un égrégore. Nuage, plus on est nombreux, plus on est connecté à ça. Et souvent, l'égrégore, lui, a besoin d'être nourri. Donc, s'il y a un égrégore, je donne un exemple. S'il y a un égrégore de peur d'avoir peur, bien, cet égrégore-là, il veut être nourri. Et puis, prêt à être nourri, bien, il va faire en sorte que vous ressentiez la peur d'avoir peur. Un égrégore, ça nous tient. Ça nous tient. Parce que ça veut être nourri. Ça a une vie, c'est comme une espèce de gros monstre ou un gros nuage rose quand c'est un égrégore positif. J'ai déjà fait un soin, je le raconte très souvent cet exemple-là parce que c'est tellement intéressant. J'ai déjà fait un soin à une dame qui voulait changer de travail et qui n'y arrivait pas. Et on était arrivé qu'il fallait la dégager, la détacher de l'égrégore de la fonction publique. Était connectée avec l'égrégore de toutes les personnes qui travaillent dans la fonction publique et qui sont contentes parce qu'ils ont une pension, ils ont des plans de maladie, ils ont des vacances payées. Des fois, ils gardent leur travail, même si ça leur tente pas parce qu'ils ont beaucoup d'avantages. Et elle était prise dans cet égrégore-là de « j'ai peur de laisser mon travail parce que j'ai beaucoup d'avantages ». Et quand on l'a dégagée de cet égrégore-là, pouf! Elle a été libérée, elle a lâché son travail et elle a pu faire le nouveau métier qui lui tentait tant depuis si longtemps. Alors, c'est ça, un égrégore. On peut être en croisement avec un égrégore. Puis là, je vous fais une introduction à ce qu'on va faire à la journée S'élever ensemble le 9 février. C'est juste ça qu'on va faire. On va parler de toutes ces affaires-là invisibles, mais qui nous tiennent. Et vous allez avoir, parce que j'ai ma grosse équipe de thérapeutes avec moi, vous allez tous avoir une clé précise d'un truc qui vous tient dans l'invisible. Ça va être extraordinaire. Donc, on peut être en croisement avec un individu. On peut être en croisement avec un événement passé. On peut être en croisement avec un égrégore. On peut être en croisement aussi avec une autre vie qu'on a vécue, donc qui vient de notre âme. On peut être en croisement avec ça, c'est-à-dire le programme est ouvert. On est en croisement avec ça. On peut être en croisement avec quelqu'un dans une autre vie et on peut être en croisement avec quelqu'un de décédé. Ça, c'est habituellement pas mal les grands thèmes de croisement. C'est tout ça. Alors, bon, Nancy vous donne une description, je crois, d'Égrégore ici. C'est ça. Alors, Nancy, je vois que tu le lis, que tu l'écris tout au serein et tout ça, puis je comprends bien ton point de vue, mais je peux t'assurer que je l'ai contre-vérifié tellement souvent que c'est extrêmement puissant, un égrégore, et que, mon Dieu, que apprendre que ça existe, c'est le fun, puis de savoir comment s'en dégager, c'est le fun. Donc, peur d'avoir peur, croisement. Alors, il y a un croisement à défaire pour tout le monde qui est présent ce soir et qui va écouter le live éventuellement. Il y a un croisement à défaire. Je vais tester en kiné. Alors là, vous voyez mes doigts. Ça, c'est non. Ça, c'est oui.
Alors, je demandais à mes doigts, est-ce que dans toute la liste des choses que j'ai nommées, on a la chose avec laquelle on doit défaire le croisement? Ça teste que oui. Alors, c'est soit un individu, un événement, un égrégore, autre vie, quelqu'un dans une autre vie ou quelqu'un qui est décédé. Moi, je pense que je le sais, c'est quoi. Mais des fois, je me trompe. Alors, je fais confiance à mes doigts, plus qu'à ma tête, quand je fais ce genre de travail-là, surtout avec beaucoup de monde. Nancy a dit qu'elle a regardé sur Google. C'est bon ça, Nancy, merci. Au moins, les gens ont quelque chose d'écrit. Alors, voilà. Alors, on y va. On va tester. On va tester de 1, 2, 3, 4, 5, 6 potentiels de croisement. Quel est le croisement qu'on doit nommer pour vous tous ce soir pour que vous puissiez sortir de peur, d'avoir peur? Alors, on y va. 1, 2, 3. Et c'est ce que je croyais. Je vais vérifier. C'est ça à 1, 2, 3. C'est 7, 8, 9, 10 sur 10. Je le vérifie. Mes étudiantes me reconnaissent. Je veux toujours être sûre d'avoir la bonne donnée. Vous avez tous besoin de vous déconnecter d'un égrégore. Pas pour rien, que c'est ça que j'ai tout expliqué. C'est là que je vois qu'il n'y a jamais de hasard et que la vie fait bien, bien, bien les choses. Donc, on va aller nommer l'égrégore. Parce que l'égrégore sur lequel vous êtes connecté, je vais demander, est-ce que tout le monde est connecté sur le même égrégore? Ça dit oui. À combien sur 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sur 10. Est-ce que je peux avoir le thème de l'égrégore? Oui. Alors ça, c'est le thème qui nourrit votre peur d'avoir peur. On va aller voir le thème de l'égrégore. On y va. 1, 2, oui. 3, on reste dans l'émotion. On reste là. J'ai 27 pages. On va où? 10, 20, 30, entre 20 et 30, 20, 1, 2, page 22, 21, 22. Je m'en vais à la page 22. Voir le titre de l'égrégore. Puis après ça, je vais vous expliquer comment on défait un égrégore. Alors, on y va. Je me redépose, parce que quand je parle beaucoup comme ça, alors je me redépose et je vais chercher l'égrégore. L'égrégore duquel vous devez vous détacher pour arrêter d'avoir peur, et l'égrégore de tenir bon. Je tiens bon. Même si j'en peux plus, je tiens bon, je tiens bon, je tiens bon, je tiens bon. C'est l'égrégore duquel on doit se dégager. Donc, en dessous de peur d'avoir peur, il y a tenir bon. Quand on tient bon, souvent, on n'en peut plus. Hein, c'est comme si on est sur le bord d'une falaise. On se tient comme ça, là, sur le bord de la falaise, puis on fait « wow! » Ça, c'est ça, tenir bon. Alors, quand on est dans « tenir bon », ben on n'est pas dans la créativité, on n'est pas dans la liberté, on n'est pas dans « tout est possible », on est dans « oh my God, je vais survivre ». Et c'est là que s'installe peur d'avoir peur. Je vais aller voir vos commentaires. Marie-Josée me dit, une personne qui a besoin de notre énergie, est-ce un grégor? Non, non, c'est pas la même chose. Et puis ça, Marie-Josée, je vais tout expliquer, les détails du détail du détail de tous les enseignements quand je vais donner la journée s'élever ensemble. Là, mon but, c'est vraiment de vous donner des clés pour vous dégager. Alors, voilà. Alors, dites-moi si ça vous parle. Émilie me dit, ouf, Jennifer me dit, ça me parle tellement. Émilie me dit on doit laisser aller, exactement. Liberté me dit Nancy, oh là là, ouais, tellement ça vous parle, ça me parle vraiment par rapport à mon travail, me dit Myriam. Ah, c'est moi ça, dit Lise. Aïe aïe, dans le mille, Manon, on a peur de lâcher parce que oui, on est dans tenir bon pour survivre. Donc si on lâche, oh my God, peut-être qu'on survivra pas, c'est juste des croyances, mais c'est ça qui est là quand même. Ouais, alors c'est Fanny, ça te parle aussi, Isabelle, ok, oui. Bon, Pierrette, ça me parle beaucoup, c'est l'histoire de ma vie, me dit Isabelle. Bon, alors voyez-vous, on est là, on est là, on est dans tenir bon. Alors, on est connecté à l'égrégore de tenir bon. C'est pas le fun, là, on veut pas être là, là. C'est vraiment, on veut pas être là. Ben oui, Chantal me dit la mâchoire serrée, c'est... Fur que tenir bon, ça a rapport avec la mâchoire serrée. Marilyn me dit qu'elle n'est pas trop certaine de comprendre. Tenir bon, là, Marilyn, là, c'est... je dois
Faire, 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 je ne dois pas lâcher, je suis fatiguée, je continue, je suis tannée, je continue, je ne suis pas certaine d'être sur le bon chemin, je continue, je tiens bon, ça va finir par bien aller, je tiens bon, je tiens bon, je tiens bon. Est-ce que tu comprends mieux? Bien, tu aimeras me le dire. Des fois, peut-être juste ça peut faire la différence. Peur de lâcher prise, Suzanne, une bonne façon de le dire différemment. Lucie me dit oui, là-dedans, c'est exactement ça. Caroline épuisée, ben oui, quand on tient bon, c'est sûr qu'on est épuisé. C'est ça. Annie là-dedans aussi. Bon, ben écoutez, on est là, on est là, on est dans tenir bon. Se dégager d'un égrégore, là, ça demande un changement de comportement. On peut faire l'intention de se déconnecter de l'égrégore, de tenir bon. Et là, ça serait pour vous. Puis là, je vais vous laisser libre d'aller voir pour chacune d'entre vous, chacun d'entre vous, dans quel égrégore vous voudriez vous connecter. Hein? Parce que le vide, là, la vie n'aime pas ça. Donc, je vais vous montrer comment vous déconnecter de tenir bon, mais je vais vous demander d'aller vous connecter ailleurs, dans une polarité positive, où vous pourriez mettre tenir bon complètement au point zéro. Je vais le tester, qu'est-ce qui est mieux. Et si on mettait tenir bon au point zéro, peut-être que pouf, 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 vous vous déconnecteriez de l'égrégore de tenir bon et que là, vous pourriez venir à tous les jours vous explorer, vous regarder à l'intérieur de vous en vous disant, est-ce que je tiens bon, moi, dans ma journée? Est-ce que je suis contente d'être heureuse quand je me lève le matin? Est-ce que je vais travailler contente d'être heureuse? Est-ce que je suis légère? Comment je me sens à l'intérieur de moi? Ça fait-tu wouhou? Ou ça fait je suis plus capable? Donc, ça va être là, ça va être ça qui va devoir venir s'installer. Alors, je vais demander pour la majorité du groupe qui est ici présent ce soir, est-ce que d'en tenir bon, est-ce qu'on est mieux de dire pour l'enlever, est-ce qu'on est mieux de défaire de se déconnecter de l'égrégore pour mettre tenir bon au point zéro? Alors, je vais le tester. On va mettre tenir bon au point zéro. Alors, vous allez choisir une intention, genre je choisis à partir de maintenant un état, même si j'ai tendance à tenir bon, ou même si je tiens bon, ou même si j'ai appris à tenir bon. Et puis là, ben, vous verrez pour vous, chacun, comment ça. Alors, ça pourrait être, je choisis d'installer de la légèreté dans ma vie, même si je tiens bon. Je choisis d'installer du plaisir dans ma vie, même si j'ai tendance à tenir bon. Je choisis d'installer le lâcher prise dans ma vie. Alors, je choisis de lâcher prise, même si j'ai tendance à tenir bon. Je crois que c'est pour ça que ça teste, c'est qu'on est vraiment beaucoup présentement ce soir. On est de plus en plus nombreux et je suis remplie de gratitude pour ça. Mais pour que ça soit le plus efficace possible pour tout le monde. Et si vous venez à la journée s'élever ensemble, on va vraiment faire du débranchement d'égrégore, dégagement de forme pensée, couper les cordelettes énergétiques, défaire les croisements. On va aller en profondeur dans toutes ces dynamiques invisibles énergétiques, mais dans un live Facebook, je crois que c'est pour ça que c'est ça qui teste. Le mieux est de le mettre au point zéro. Tenir bon au point zéro en faisant une intention de je choisis autre chose, même si j'avais tendance à tenir bon. Vous pouvez aussi réfléchir dans la prochaine semaine à d'où vient votre tenir bon. Est-ce que vous l'avez appris de vos parents? Est-ce qu'il s'est passé un événement dans votre vie qui vous a comme blessé beaucoup ou mis dans un surstress de survie? Des fois, ça peut être la perte d'un travail, ça peut être une maladie, ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être un événement brutal dans notre vie qui nous a fait comme une lecture inconsciente de « je suis en danger ». Et quand on est en danger, ben, pouf, on est dans tenir bon automatiquement. Myriam me dit, est-ce qu'on peut se déconnecter d'un égrégore en continuant à faire nos occupations? Oui. Ou on doit changer, mais on ne doit pas changer ce qui nous met dans cet état-là. Myriam, on doit changer de réaction. On doit changer d'état. Il faut le faire différemment. Ce n'est pas jamais ce que vous faites dans la vie extérieure qui est un problème, c'est comment vous le faites. Alors, on peut faire un travail qu'on aime plus ou moins,
mais en le faisant, en étant reconnaissant des sous qui rentrent et que ça nous donne le cœur en paix qu'on paye notre loyer, genre. C'est une façon de défaire le tenir bon. C'est l'insatisfaction et un espèce d'état de panique qui installe le tenir bon. C'est là que ça peut valoir le coup de venir juste trouver d'où vient tenir bon dans votre vie. Et quand vous allez faire votre intention de point zéro pour dégager tenir bon, ça va être beaucoup plus efficace parce que vous allez savoir d'où ça vient. Manon donne un exemple, elle dit « Je choisis d'être libre et en sécurité, même si, exactement. » Alors, je vous dirais que et l'invocation que je vous ai donnée le 1er janvier et ce point zéro très précis-là, je crois que ça va être vraiment puissant. Je vais tester si en dessous de tenir bon, et on va terminer le live de ce soir comme ça, mais on va tester si en dessous de tenir bon, j'ai besoin de venir vous tester une autre donnée, comme de détails sur le tenir bon. Alors, on va y aller, on va le tester. Alors, ça teste que non. Ça teste que tenir bon, c'est le bout de la ligne pour ce soir. Donc, on est parti de peur d'avoir peur. On a trouvé que pour défaire peur d'avoir peur, il fallait défaire un croisement avec l'égrégore de tenir bon, qui lui se nourrit de toutes vos insécurités. Et que pour vous dégager de l'égrégore de tenir bon, vous avez à faire une intention au point zéro. Je vous rappelle que le point zéro, c'est extrêmement puissant. On prend une force magnétique, là, la force magnétique là, de tenir bon, là, qui peut être très forte. Et on vient y installer la force magnétique positive que vous allez choisir aussi forte. Donc, gênez-vous pas de vous trouver là, une affaire « what a power ». Et vous allez, à ce moment-là, mettre tenir bon au point zéro. Vous allez faire... C'est comme si vous allez lâcher prise sans même vous en rendre compte. C'est la meilleure façon de le faire. Alors... Bon, Sophie me dit, on dirait que c'est compliqué, je ne suis pas sûre de comprendre comment faire. OK, ma belle Sophie, Marcel dit la même chose, Marcel, et toutes les autres. Vous devez vous choisir qu'est-ce que vous voulez installer dans votre vie à la place de tenir bon. Qu'est-ce que vous voulez à la place de tenir bon? Voulez-vous que ça soit léger? Voulez-vous que ça soit facile? Voulez-vous avoir du plaisir? Voulez-vous de la légèreté? Voulez-vous de la joie? Voulez-vous avoir des réponses? Voulez-vous avoir de la sécurité? Voulez-vous avoir un nouveau travail? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez qui à mettre face à tenir bon? Venez me dire si vous avez mieux compris. Marcel, Sophie, venez me dire si vous avez mieux compris, s'il vous plaît. Marie-Josée me dit, j'ai compris que quand le travail que tu fais est une passion, ce n'est pas fatigant. Ben oui, c'est sûr. J'accepte. Prendre des croyances que je dois tenir bon pour et la changer pour une croyance positive que tout s'installe facilement à tous les niveaux. Ça peut être ça aussi. Nicole, et tu dis de se reconnecter à quelque chose d'autre, alors comment? Ben, c'est votre intention. Alors, vous allez vous reconnecter à l'affaire bonne que vous allez mettre face à votre tenir bon. Donc, si c'est « je choisis la légèreté », même si je tiens bon tout le temps et que ça me fatigue, ben, la légèreté, ça va être à ça que vous allez commencer à vous connecter. Puis là, à tous les jours, vous pourrez peut-être venir conscientiser comment la légèreté s'installe dans votre vie. Et plus vous allez être conscient de la légèreté, pouf, plus vous allez vous connecter à l'égrégore de la légèreté. Cette intention-là, vous la répétez très souvent. Stéphanie me demande comment souvent, très souvent. Ça peut devenir comme une espèce de petit mantra que vous répétez, que vous répétez, que vous répétez en vous endormant, en vous couchant, dans le taux, dans le bain, alouette, vous répétez ça. Ça peut être la joie et la sécurité, Micheline, oui. Marilyn, je pourrais vouloir la remplacer par la sécurité et la santé. Oui, parce que si Marilyn, ce qui fait que tu tiens bon, c'est que tu n'as pas une bonne santé puis que tu es insécure, oui, à ce moment-là, ça, c'est ta réponse à toi. Il y a autant de réponses qu'il y a d'individus. Donc, France vous a fait un beau résumé. Défaire un croisement, un lien énergétique, toutes les sortes de croisements qu'il peut y avoir. Tenir bon. Vous irez lire le résumé de France Lajoie. Parfait, merci, merci France. En le disant fort comme... Oui, c'est ça, on dit fort, on le fait à haute voix, nos intentions sont encore plus fortes. Nina donne son exemple. Je choisis d'installer la légèreté et la sécurité, même si je dois tenir bon. C'est un très bon exemple d'intention au point zéro. Monique me dit légèreté, elle aussi. Très
Très bien, la vie, je lis ton truc aussi. Mirella, je suis touchée par la force du souhait qui aide à mettre les zéros, l'attachement à l'égrégore. Ouais. Je répète, j'installe la joie à la place de tenir bon. Oui. Oui. Puis dis pas à la place, Sophie. Dis même si. C'est ça la grande différence du point zéro. Le point zéro, là, c'est pas la chose est remplacée. C'est pas si je veux être dans le positif. C'est pas ça. C'est je veux être dans le point zéro. C'est je veux pas être polarisé. C'est ça la grande différence entre une intention au point zéro et être positif. La pensée positive, je connais des milliers de gens qui l'ont fait, ça ne marche pas. Parce que ça prend jamais compte de la polarité négative qu'on a à l'intérieur de nous. L'image que je vais vous donner, c'est l'image du yin-yang. Je savais pas que j'irais là ce soir, donc j'ai pas l'image devant moi pour vous la montrer. Mais le yin-yang, là, le rond, noir et blanc, il y a autant de blanc qu'il y a de noir, puis un petit point noir dans le blanc, puis un petit point blanc dans le noir. C'est ça, le point zéro. C'est qu'il n'y a pas de polarisation. On veut pas être de la lumière, on veut pas être juste dans le positif. On veut être dans le point zéro. Et c'est ça qui nous donne le plus de force. C'est quand on est capable de prendre nos deux affaires ensemble. Alors, je vous invite, si vous n'avez pas compris tout, parce que là, c'est le mieux que je crois que je peux faire ce soir. On ouvre des chemins de conscience. On ouvre de nouvelles façons de voir la vie. Si vous n'avez pas tout compris ce que je vous ai dit, c'est pas grave. Vous venez sur la page du 21 jours poser des questions. Vous venez sur la page du 21 jours partager vos intentions. Je voudrais que cette page devienne vivante d'échanges entre les membres. Il y a plus de 2000 membres sur la page du 21 jours pour s'élever ensemble. Servez-vous de cette page-là qui est privée pour venir jaser, demander conseil, demander d'être soutenu. C'est merveilleux ce qui se passe sur cette page-là présentement. Il y a beaucoup de belles pensées, il y a des belles images, il y a beaucoup d'encouragement et c'est merveilleux. Mais on peut amener cette page-là à un autre niveau en la personnalisant encore plus et en s'en servant pour des partages concrets, de l'entraide. On est une petite grosse gang et on est une équipe et on travaille ensemble. Les gars, tantôt, nous ont amené des trucs. Il y en a qui vous font des résumés, il y en a qui vous font des copier-coller. On vous fait des liens, on travaille ensemble. Venez partager sur la page du 21 jours comment vous vous êtes sentis, qu'est-ce que vous avez compris du live de ce soir et on va à faire encore plus de sauts quantiques ensemble, de plus en plus de grandes prises de conscience, de plus en plus de réels changements. C'est ma grande intention. Alors, nous sommes allés en plus en profondeur dans notre thème de l'année. Très intéressant. Pensez à ça. Laissez-vous porter par ça. Faites juste ouvrir votre esprit. Même si vous ne comprenez pas tout, c'est pas grave. Faites juste vous dire, OK, vous pouvez réécouter le live. Des fois, à deuxième écoute, les gens comprennent mieux. C'est des nouveaux trucs. Alors, parce que je viens de lire un truc du coin de l'œil. Isabelle Tardif dit, est-ce que tu peux donner un dernier exemple d'intention point zéro? Ma belle Isabelle, une intention point zéro, c'est n'importe quoi qui a une polarité positive et négative. Je choisis d'avoir de l'énergie, même si je suis fatiguée. Je choisis de me sentir en vacances, même si je suis écœurée d'aller travailler. Je choisis d'avoir de la joie, même si j'ai beaucoup de peine. Trois exemples d'intention au point zéro. Alors, voilà, je termine en vous invitant chaleureusement, à venir me rejoindre le 9 février. Ce qu'on peut faire en vrai est tellement plus profond que qu'est-ce qu'on fait dans les lives. Pour moi, là, dans les lives, là, c'est comme si je viens juste là, vous faire là, des petites étincelles de écoutez, il y a ça aussi. Tandis que dans les journées, quand on passe 10 heures ensemble, voyez-vous à quel point on peut aller loin, on peut aller profond. Alors, je continue de vous inviter à ces deux journées-là qui sont en grand spécial présentement pour 207 $. Vous avez deux journées. C'est-à-dire, c'est pour 10 heures. On va avoir des spectacles de bols de cristal, des soins de son, des thérapeutes sur place qui vont vous accompagner personnellement. Et le prochain, on voit tout, tout,
tout le monde invisible. Ce soir, on a effleuré l'égrégore. On va aller voir les croisements. On va aller voir les cordelettes. On va aller en profondeur dans le monde de notre iceberg, dans l'invisible. Donc, je vous invite. Dès que je vais faire un petit bye-bye, je vais remettre le lien en haut parce que vu que j'étais en retard, j'ai juste cliqué puis je suis venue me reconnecter avec vous. Sophie, tu as tout compris. Yes, ma belle Sophie, très heureuse. Hey Mylène, je t'embrasse fort. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Quelle joie, ma belle Mylène. Alors, merci, merci tout le monde. Merci d'être là. Merci de participer. Merci de co-créer avec moi. On se revoit la semaine prochaine. Je vous fais un petit coucou pour vous dire comment va le Wi-Fi dans mon bois. Je vous fais un petit coucou. Je vous dis si je peux être avec vous. Je prépare mon nouveau programme. Il s'en vient. On va se créer une année extraordinaire. Alors, merci de jouer avec moi. Plus nous sommes nombreux, plus c'est puissant. Alors, je vous souhaite une belle semaine au point zéro dans vos intentions de tenir bon. On lâche tenir bon et on s'installe dans autre chose. Je vous embrasse et je vous dis belle semaine et à bientôt, la belle gang. Bye! À bientôt!